J'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 5 décembre et je vous prends pour le cinquième jour du calendrier, du Vlogmas, pardon, des Vlogmas, pas du calendrier de l'avant, des Vlogmas. Aujourd'hui est une journée de travail, mais une journée de travail à la maison, du coup j'ai un peu plus de temps autour de moi puisque je dois pas partir plus tôt pour prendre le train et je rentre plus tôt également puisque je suis chez moi dès que j'ai fini. L'avantage du télétravail. Je sais pas encore ce que je vais commencer comme nouvelle lecture aujourd'hui. Je suis toujours dans le Sophie Jomin où je lis un chapitre par jour. Mais là, je vais essayer d'apprendre un livre de ma palle du Cool Winter Challenge ou à lire une BD. Et je pense que je vais peut-être partir sur le Grimoire d'Elphi. Ouais, je pense que je vais faire ça. On va ouvrir ensemble avant que j'aille allumer mon PC. La case 3 du calendrier de l'Avent, c'est ça. Oui, vu que c'est un jour sur deux, faut pas que j'oublie un moment de... Voilà, bref. Donc on va ouvrir ça ensemble. Hop, attendez, parce que je me dis ça va en partout. Ah, alors. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Toujours dans ces petits emballages avec la petite case. Oh, c'est un mini puzzle! Je crois que c'est ça. Hein. Trop chouette! Ouais, c'est ça. C'est hop, comme ça. Je pense que c'est un mini puzzle parce qu'en plus, j'ai vu Steph en recevoir un dans son Vlogmas 1. Voilà, taille du puzzle 10x14. Un petit puzzle pensé en Bretagne et fabriqué en Turquie. Fireplace par Nicole Lalonde. Oh, trop chouette! Oh, j'adore. On le fera ensemble tout à l'heure si j'y pense. Voilà, allez, je vais allumer mon PC pour commencer à travailler. Ma commande à Vaimé. Bon, j'ai déjà tout déballé parce que j'ai fait un réel. Ça, c'est Steph qui m'a convaincue de l'acheter. C'est Lemon Pie. Et moi, j'adore la tarte au citron. Elle est énorme. Donc voilà, j'ai pris tout ça avec le code promo de Steph. Ici, l'alcoolique en moi a pris celle édition spéciale Pinot Noir. Elles sont toutes super bonnes. Je viens de tester, mais ne me demandez pas de décrire les odeurs. Je ne sais pas faire ça. Là, c'est une... Germany, mais c'est dans les éditions Noël. Et alors, hop, j'ai deux diffuseurs hein, que je vais mettre aux toilettes, hein, que je vais mettre dans le couloir, parce que Sensa est dans le couloir, et du coup, ça sent vite le chien, donc voilà, j'aimerais bien avoir un diffuseur dans le couloir. Donc j'ai pris le Bahamas Caribbean et le Barcelone. Voilà, voilà pour le petit craquage. J'ai pas de code promo, moi, je n'ai pas de partenariat avec eux. Mais allez sur le compte de Steph si vous voulez. On va les ouvrir ensemble. Alors, il y en a un, je sais ce que c'est, les autres, je ne sais pas. Je ne peux pas encore vraiment regarder. Alors. Ouh. Ici, nous avons un bel emballage cadeau. Qu'est-ce que c'est? Ah. Voilà, oui, trop bien, j'ai enfin reçu la pochette de Steph, la housse de coussin. Donc bon, maintenant, elle n'est plus à gagner sur mon compte, mais lundi, j'avais fait gagner un concours Instagram pour faire gagner cette housse de coussin Bookstore de Steph de Piketty et de Adèle et Chat. Et j'avais pas reçu la pochette, du coup, j'ai fait un visuel moi-même. Et voilà, je l'ai enfin reçue. Ah, je suis trop contente. Elle est beaucoup trop belle, je vais pouvoir la mettre sur mon coussin en bas. Là, il faudrait que j'achète des nouveaux coussins pour avoir plusieurs, parce que j'ai plus qu'un oreiller. Donc voilà, et ça va avec un joli marque-page. Ah, trop bien, merci Steph, merci. Ici je sais ce que c'est. Alors ma belle-mère ne regarde pas mes vidéos, du coup il n'y a pas de risque qu'elle les voit. Je crois que ma belle-mère ne sait même pas ce que c'est que YouTube. c'est une boule que j'ai faite faire à Atelier 58E, que j'aime beaucoup. J'ai déjà fait plusieurs créations chez eux. Et hop là. Et je vais sûrement faire des petites choses pour le mariage. Je devrais en discuter avec Bruno. Mais voilà, ils ont vraiment pas mal de choses assez chouettes. Et c'est des petits créateurs belges, donc c'est toujours appréciable. Par contre, c'est une grosse boîte pour la boule que c'est, mais bon, au moins elle est bien protégée. Hop. Alors en fait, c'est super bien emballé. Donc c'est Atelier 58E. Je vais essayer de penser à vous mettre le site dans la barre d'infos. Et en fait, c'est hop là, une boule de Noël à mettre dans le sapin pour les petits chéris de Nanou et Papou. Donc c'est les parents de mon chéri qui sont Nanou et Papou pour les petits enfants. Et donc à l'intérieur, il y a le nom de tous les petits enfants.
Hop là, donc voilà, les cinq petits-enfants de mes beaux-parents. Je ne l'ai pas fait pour chez mes parents parce qu'il n'y en a que un. Mais voilà, c'est super joli. J'ai trouvé ça vraiment ouais, super délicat, super joli. Je pense que ça leur fera grandement plaisir. Donc voilà. Et dedans, qu'est-ce qu'on a? On a différents catalogues, les guides cadeaux, avec toutes les créations pour Noël. Ah, et la collection marquage, c'est ça forcément, c'est ce qui m'intéresse le plus. Donc ça, je vais garder précieusement. Le reste, je n'ai pas besoin de le garder parce que je ne vais plus acheter pour Noël maintenant. Hop, donc voilà, bref. Ça fait encore beaucoup de cartons. Je vais me faire engueuler par Bruno. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Je ne sais pas ce que c'est un gros colis, mais alors en plus la factrice l'a un peu. Bon là j'ai caché mon adresse, elle l'a un peu forcé dans la boîte aux lettres, et du coup le colis est un peu abîmé, mais j'espère que ce qui est dedans ne le lève pas. Suspense. Ah oui, trop chouette. C'est une maison d'édition qui m'a contactée. Elle m'avait contactée en novembre et j'avais pas vu le message parce que vous savez, c'est dans la boîte de messages à valider sur Instagram et je vais pas très souvent valider les messages dans cette boîte, surtout que c'est souvent perdu entre plein de messages, donc voilà. Mais donc là finalement j'ai vu et je me suis dit ah j'aimerais bien la voir si c'est encore possible, ça m'intéresse. Résultat, elle m'a dit que la personne avec qui j'étais en contact, que c'était encore possible, et elle m'a envoyé un service presse de Le Grand Livre des histoires policières et des mystères de Noël, la collection des meilleures enquêtes policières de Noël jamais écrites. Voilà, et donc c'est un énorme ouvrage. Il va falloir que. C'est bête, j'ai fait mes photos Instagram sur ma pause midi. Maintenant il fait trop sombre. Ce sera pour jeudi, parce que demain je vais à Bruxelles. Donc ma pause midi, je ne sais pas faire de photos dedans. Et clairement, je ne vais pas prendre ce livre-là pour le prendre en photo dans les rues de Bruxelles, ni rien. Ça serait trop lourd à porter. Mais donc voilà. Donc à l'intérieur, on a tout un recueil de nouvelles, de petits textes, d'enquêtes autour de Noël. C'est un sublime ouvrage, donc je suis trop contente et j'ai hâte de le feuilleter parce que je vais pas tout lire d'un coup. Mais voilà. Petit break, un premier bloc de 7 minutes, un deuxième bloc de 7 minutes et enfin la surprise. On est le soir, je vous retrouve pour clôturer ce vlog. Je viens vous donner mon avis sur le tome 2. Hop. De la saga Le Grimoire d'Elfie en BD. Chaque soir, je vous retrouve en peignoir, en pyjama. Franchement, les vlogmas, aucune intimité. bref, du coup, je vais clôturer ce vlog ici. J'ai beaucoup aimé ce tome 2, encore plus que le tome 1. Vraiment, j'ai passé un très bon moment. Pour ceux qui ne connaissent pas la saga, on suit ici Elfie, qui, à la base, vit avec une de ses sœurs chez sa tante. Leur mère est décédée dans un incendie. Et leur grande sœur est partie à Londres, vivre sa vie. Et puis un jour, leur grande sœur va débarquer en ramenant un bus londonien qui est destiné à être transformé en librairie ambulante. La grande sœur a obtenu la garde de ces deux cadettes et bien elles vont partir ensemble en fait dans ce bus ambulant, vivre finalement une vie itinérante. pour vendre dans plusieurs villes en France, enfin un peu partout en France en fait, leurs livres. Et Elfie, elle a hérité de sa maman un grimoire. Et en fait, ce grimoire, elle se rend compte qu'il est magique. Et que quand elle écrit des histoires, eh bien, il y met de la magie. Et que, eh bien, par exemple, quand elle fait des origamis, ces origamis prennent vie. Et du coup, dans chaque tome, on va avoir une petite enquête. Voilà, Elfie va essayer de résoudre une petite histoire, résoudre un petit mystère. Et j'aime beaucoup, je trouve que c'est vraiment une saga doudou, chaleureuse, tendre, réconfortante, vraiment c'est de la mignonnerie absolue, je suis ultra fan des dessins également, voilà, je suis bien dans cette saga, vraiment je la trouve très bien faite, très bien construite, originale, toute douce, et j'ai hâte de lire la suite, donc il me reste là maintenant déjà les deux tomes suivants à lire, mais je vais pas les lire ce soir, parce que ce soir je vais commencer un roman, je vais commencer l'effet boule de neige, mais peut-être que demain je lirai un petit peu Elfie. C'est pas du tout sûr. Demain, normalement, je vous avais dit que j'allais participer à la rencontre de Serena Giuliano et de Sophie Rouvier qui avait été décalée. Parce que normalement, elle devait avoir lieu la semaine passée, j'aurais pu participer. Mais finalement, c'était décalé à demain. Je pouvais y participer, mais finalement, je dois annuler
En gros, tout simplement parce que je devais voir mes meilleures amies, en fait, tout simplement, jeudi. Et finalement, il y en a une qui a un gros empêchement et du coup, on doit décaler. Sauf que c'est tellement dur de trouver une date pour se voir c'est demain. Et du coup, j'ai dit, ok, bon, je vais annuler ma présence parce qu'en plus, c'est une soirée importante pour moi parce que je dois leur demander quelque chose. Donc voilà, du coup, je dois, j'ai besoin de faire ça avant Noël, si possible. Donc voilà. bref, du coup, je viens clôturer ce vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, à laisser un commentaire, un pouce vers le haut. Et moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.